Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, rédacteur en chef de Multicoque Mag. Nous sommes à bord du Windelo 54, en avant-première ici à La Grande Motte. C'est juste la fin de l'International Multi-Hull Show. Je vous invite à bord pour découvrir en avant-première ce catamaran électrique. Multicoque Mag, bienvenue à tous, je suis Stéphane, directeur commerce et services de la marque Windelo. Alors nous sommes à bord du Windelo 54 Yachting qui a été présenté en première mondiale au salon de la Grande Motte il y a quelques jours, très bien accueilli par le public. Dans la gamme Windelo, nous produisons tout d'abord des bateaux éco-responsables fabriqués en fibre de basalte. Et mousse de PET recyclée pour une très large partie du bateau. Et puis, surtout, nous avons également l'axe propulsion électrique et énergie verte à bord, donc un bateau qui se propulse électriquement, qui est complètement autonome en énergie dans le cadre d'une utilisation normale, aucun recours aux énergies fossiles. Ce sont également des catamarans avec un ratio exceptionnel entre l'espace de vie à bord, le confort et la performance. Alors aujourd'hui, il y a très peu d'air à la Grande Motte, mais hier, on a fait des essais, on naviguait à 17 nœuds sous code zéro. Très satisfait de la performance à bord. C'est là où le 54 gagne encore en ratio longueur-largeur. Et voilà, on est vraiment dans la catégorie des catamarans. Fait pour tour du mondiste par exemple et performant.